Fille de Galiléo, le même croisement que Chiquita, mon jeu, et un fils de sa, la mère par. Chiquita est une fille de mon jeu. Chadwell, de Sadler's Wells, pardon. Sadler's Wells, exactement. Une souche de pouliche de Le lot 97. Une pouliche qui se déplace très bien, très sérieuse. Une souche pour l'élevage. La fille de Prudenzia, Prudenzia gagnante de l'Istud. C'était dans le prix de la Seine. Elle était entraînée par Pascal Barry, cette Prudenzia. Super pédigré, 50 000, voulez-vous 50 000, oui, 50. C'est son cinquième produit qui est présenté sur le ring. Alors attention les yeux. On commence doucement à 50 000 euros. À 60 000, 60 000, 60 000, 80 000, 80 000, 80 000, plus vous au restaurant, à 80 000, à 80 000 euros, à 80 000 euros, contre vous à 100 000, 100 000, 100 000, Pierrick, l'enchère à 100 000, pas vous, et 120, 120 000 restaurants. Rinitule de vous répéter les performances hein, de Chiquita, de Pacifique également, sa tante. Un petit mot sur les ventes de ses frères et sœurs. Chiquita, elle avait été achetée par Peter et Ross Doyle pour 6 millions d'euros aux ventes de Coffs en novembre 2013 déjà. Et nous avons déjà allègrement atteint le cap des 300 000 euros. Un petit mot également sur Cravens Legend qui est à l'entraînement chez André Fabre. Il avait été payé 1 100 000 euros par Mayfair Speculators en août 2014. Sina Marie, elle avait été payée 700 000 guinées aux ventes de décembre 2015, donc tout récemment. Tandis que Truth, une autre fille de Galiléo et Prudenzia, donc la propre sœur de cette pouliche, elle, quant à elle, avait été payée 1 million d'euros par MV et Magner. Alors, le clan Coolmore met-il des enchères? Le clan Coolmore est au complet. MV Magner, Paul Shannon, Peter Doyle sont aux côtés de Derek Brookman. 600 000, 650. Il y a Ted Vaught également qui est au téléphone. 700 000 qui couvrent l'enchère de 700 000, 750. J'ai ouï dire que, que l'équipe Al-Shakab allait, allait mettre beaucoup d'enchères au restaurant 800 hier 000, déjà. 800 000 contre vous, Solène, et 800 000. Mandor International, notamment, était basé au restaurant. À 850 000 euros, c'est le clan Coolmore. Qui met 1 million? 1 million, Dominique. À un million d'euros à droite, pas Pierrick, pas Guillaume, à 1 million. À droite, l'enchère par Dominique, pas au restaurant. À un million d'euros qui court en chaîne de 1 million d'euros. La trois quarts sœur de Chiquita par Galiléo à un million, nous sommes 1 100 000. À vous, 1 100 000. Pas le resto, pas Dominique. C'est encore un autre enchérisseur. C'est pas le resto, c'est pas Coolmore. Là, c'est Coolmore. 1 million 2. 1 200 000, c'est à nouveau Dominique, à 1 200 000. À 1 200 000, qui couvre l'enchère de 1 200 000? Alors, oui, on va braquer la caméra légèrement sur notre gauche. Je parle en même temps à Annelise. Et on va trouver un enchérisseur qui est actuellement au téléphone. À 1 250 000, à 1 250 000, c'est bien vu. Alors, Coolmore est battu. Là, on retrouve Pierrick et Tony. 1 300 000 tout en haut. Trois quarts sœurs de Chiquita. Un pédigré de gagnante de groupe 1. 1 350 000. Coolmore est battu. 1.4. 1 350 000. 1 350 000 euros. Et c'est ce monsieur qui est au téléphone qui a remis une enchère. Non. Qui pour l'instant. Ah, qui est battu. Bah, voilà. 400 000, c'est bien vu, pas de regret nulle part. Dure loi des enchères. Peut être jugé. No regret, sir. Ce monsieur qui est au téléphone est battu. No? Ah non, il fait non de la tête, ça va finish. Définitivement être non. Le restaurant s'est tu également. Sure. On a de juge. 1 400 000, Dominique.